Moi, je suis un petit peu quand même ébranlée, hein, Madame Pité, ce que vous avez dit, parce que, en fait, à vous entendre, enfin, moi, j'entends un petit peu, nous, tout ce qu'on développe, les écolos, autour des grands projets inutiles et imposés. Moi, je pense que là, je trouve ça formidable, toute l'expertise technique qu'on a dans cette salle-là. Donc, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de contradictions, mais le fait est qu'il y a quand même une sacrée contradiction avec ce qu'on dit ici et ce qui se fait, en final, en dehors, quoi. Donc, ça prouve bien que ce débat est quand même nécessaire et qu'on a tout. On n'a pas fini visiblement de faire émerger des argumentaires. Moi, effectivement, je reprends aussi le parallèle avec Notre-Dame-des-Landes. Moi, je me suis un peu étranglée quand Macron a annoncé pendant la campagne présidentielle qu'il allait nommer un médiateur qui allait trouver des solutions par miracle en 6 mois, alors que ça fait juste 40 ans que les gens s'écharpent la gueule là-dessus, et que ça fait 5, et qu'il y a 5 ans, c'était Verdun dans le bocage, et le mec, il va nommer 3 experts qui, comme par hasard, vont dire « Les gars, vous inquiétez pas, il y a juste un grand malentendu, tout va bien se passer, voilà », alors qu'il y a juste des équipes de naturalistes qui bossent sur l'expertise en biodiversité, sur les scénarios, etc. Là, Gaspard, vous avez fait un scénario alternatif, vous avez mandaté un bureau d'études, et il faudrait demander à Madame Royal si elle a des chiffres, alors qu'elle s'assoit, elle va demander au même bureau d'études d'en produire. Enfin, je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, enfin, moi, j'entends hein, les problématiques écolo, j'entends les problématiques énergétiques, j'entends les problématiques de stress, machin, etc. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire que politiquement, les collectifs qui se bougent, qui ont une expertise locale, peuvent être entendus, peuvent juste atteindre à un moment donné quelqu'un qui va dire, et je suis désolée, pour moi c'est aussi le rôle des députés, dire, bah, effectivement, ce truc-là, c'est une mauvaise idée, on déchire, on oublie, c'est une connerie, ça arrive, et puis bon, on va réfléchir, autre... Non mais je veux dire, c'est aussi à ce genre de choses que ça se joue. Et par exemple, tout ce que j'ai entendu là sur les projets d'énergie citoyenne, là, ce que tu disais Thierry, je veux dire, il y a à Bégane, dans le Morbihan, il y a la plus grande centrale éolienne citoyenne de France. Je veux dire, c'est des choses qui sont possibles. Il y a Enercoop qui a aujourd'hui lancé leur manifeste en proposant que d'ici 2030, il y ait la majorité des citoyens qui soient actionnaires des projets centrales renouvelables, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Ça change la vie des gens concrètement d'avoir leur mot à dire sur comment est-ce que localement ils produisent leur électricité. Et là, les histoires de stress électrique, les histoires de pics, etc., on les envisage complètement autrement, parce que je pense que c'est ça aussi qui crée beaucoup de défiance, quoi, au final. Donc voilà, donc moi j'ai une vraie interrogation là-dessus sur, bah, très bien, dans ces cas-là, puisque ça sert à rien que les gens se bougent, enfin, qu'est-ce qu'on fait encore là, quoi? Je pense que c'est pas simple d'aborder le débat politique de cette façon-là. Non, mais vous n'avez pas compris. Pas du tout. Vous avez dit que vous avez demandé des informations à Madame Royal. J'ai dit, attendez, il y a des gens qui sont pour cette centrale, il y a des gens qui sont contre. Il n'y a pas tout le monde qui est pour, tout le monde qui est contre. Elle n'était pas invitée, donc, Madame Melchior? En fait, quand... Je me semble qu'elle était invitée. Je vous dis, quand c'était fait en 2007, moi, je ne vais pas y venir. Quand c'était fait en 2007, l'idée, si j'ai bien compris, de la région notamment, où il y avait des écologistes, c'est génial, c'était de la région Bretagne, ben oui, évidemment. Le Drian tout seul, la ville tout seul, il a porté un projet comme héros pour Notre-Dame-des-Landes. On va rêver quand même. La région Bretagne, il est même celui qui est en charge de ce dossier-là. Vous parlez de Dominique Cramard, c'est pas un écologiste, madame. Non, mais après, vous êtes d'accord ou pas, moi je vous dis, il se dit écologiste. Ah non, c'est socialiste, ce que vous voulez. Ce que je vous dis, c'est qu'à l'époque, la solution c'était, on ne peut pas tout de suite passer en énergie renouvelable, si j'ai bien compris. Moi je veux que vous mais donc, en attendant, on donne de l'argent pour l'énergie renouvelable et on fait la centrale. Moi, j'ai toujours dit que la centrale, que ça soit au privé, que ça soit en plein dans les milieux, je trouvais que c'était une aberration. Mais après, étant donné que ça fait 10 ans que rien n'est fait, ça vaut le coup de réétudier ce dossier et avec des nouveaux chiffres. Il ne faut pas non plus dire tout le temps tout le monde est contre la centrale, c'est pas vrai. Il y a des élus dans des pays qui ont voté. Qui ont voté pour, apparemment. Oui, pour l'argent, bien oui, sûr. Oui, mais pour l'argent, et ça, c'est une commune endettée. C'est une commune donc, qui est super endettée dans le ministère. Je sais que c'est pour des mauvaises raisons, mais je crois qu'il faut... Alors... Non, mais si on ne peut pas débattre, je m'en vais. Si on ne peut pas débattre, je voudrais... Donc, moi, je trouve que maintenant, il faut se poser la question de savoir si les énergies renouvelables ont avancé et s'il y a d'autres solutions pour la solution. Mais ça a avancé.